Oh. Bonsoir, Jane. Jane, bonsoir. Jane, tu m'entends? Allô? Jane, tu m'entends? Pribi, tu m'entends, Pribi? Pribi? Allô? Allô, bonjour. Vous pouvez être là? Oui, madame. Oui, écoutez, dis-toi. Non, en fait, mon laptop est tombé aujourd'hui. Mon laptop est cassé. Le lama nous apprend pris de vie ce laptop-là. Aïe, 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 qui dorme bureau? Aïe, Non, moi, je suis là pour lui. Le lama aïe. nous tombe. Grand matin même. Je peux apprendre. Problème. Oui. Allô? D'accord. Sinon, pour émission correcte, là? Oui, moi, je peux faire setup là. Oui, si. Je peux aller online là, je peux guide-moi pour ce laptop là. Ça n'a plus de vie, d'accord. Oui. On peut être Jane et Richard. Jane, tu parles dans le cours de T'as pas vu une perte de connexion? Ah, oui, allô. Allô? Oui. Hi, Jane. Jane, tu m'entends? Jane, bonsoir. Salut! Salut Jane, quelle nouvelle? Est-ce que tu me vois? Oui, je te vois. Super. Est-ce que tu m'entends? Je t'entends très bien, je vois le monde derrière toi. Hein? Est-ce que tu me vois bien? Parce que j'avais un petit souci avec ma caméra. Ah non, je te vois bien là, oui. C'est très bien là. Ok, super. Je vois Tant Richard, mieux. Monique qui se joignent à nous là. Alors, content de te voir. Ça va, c'est Ouais, pas ça bien? fait longtemps. Oui. Ben, tu sais, je suis en Inde, hein, avec Ah Sheila. bon? Nous sommes tous dans différentes parties du monde. Voilà. Et voilà, Richard aussi est maintenant avec nous. Et BJ. Et Bonsoir tout le monde, Keshini. bonsoir. Voilà. Salut. Et Bonsoir. Keshini. Bonsoir, bonsoir. Allô? Je crois que si on est prêt, on commence, Richard. Ah oui, dès que vous me donnez le. Dès qu'on est prêt pour enregistrer, pour aller le live. Oui, allez, Tini. Un minute, oui, 2 minutes. Et Jane, c'est bon, mais est-ce que tu peux te. Comment dirais-je, Richard, tu vois, Jane peut-être doit remonter un peu. Oui, peut-être légèrement la caméra. Il faut baisser légèrement la caméra. Jane, Ah, est-ce mon qu'il Dieu. y a moyen plutôt de baisser légèrement? Baisser, baisser, comment baisser? Ok. C'est déjà installé? C'est déjà installé? Ouais. Tu peux, Jane, tu peux l'incliner un peu au bas, si c'est Oui, voilà, possible. l'incliné. Un tout petit peu. Non, c'est parti en haut, là. Merde. Légèrement encore. Voilà. Légèrement, légèrement au bas. Légèrement encore. Incline vers toi, incline vers toi. Ou alors peut-être l'idéal serait de Ouais. reculer légèrement. Est-ce que tu peux reculer Ouais. légèrement? Je crois que c'est mieux de Et reculer. voilà. Non, peut-être plutôt rapprocher plutôt. Tu crois que rapprocher va Ça. être mieux? Ouais. Essaye de te rapprocher, on regarde la différence. Non, rien, j'ai un peu de problème technique qu'il faut juste régler, Ouais, c'est de bon. fine-tuning. Je crois que c'est bon là, ouais. Je crois que c'est bon là. Hein? Ok, on va essayer. C'est bon parce que. Qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, là, C'est je donc. suis toute seule, donc je peux pas. Oui, 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 oui. oui, Non, c'est oui. bon là, Jane.
Et là, tu es où, Jane? Tu es à Ukraine? Je suis dans, au campus. Très bien. Ouais. Très bien. Comment tu trouves? Ça va ou ça ne va pas? Non, c'est bon. Enfin, c'est bon. Et elle aurait été d'incliner légèrement encore. Parce que là, on manque un petit bout de ton menton qui... attends, tu sais quoi? Laisse-moi essayer d'éloigner un peu, voir. Non, éloigner, non. Si tu es loin, on va te perdre. On va te perdre complètement. Oui. Il faudra peut-être que te rapprocher encore un peu plus. Oui, rapprocher un peu plus. Voilà, c'est bon, là. Hein? On laisse. Ouais, je crois que voilà. Bon. Ouais. C'est bon. Super, Diane. Alors, il faudra me dire juste quand on est prêt, on commence à ce moment. Si tu me manques toujours mon menton. Non, là, c'est beaucoup, bon, mieux, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Ah, tant mieux. Ouais. Évite de baisser la tête, tout simplement. Ok. Sera correct. Voilà. Pas autant, mais un peu. Alors, dès qu'on est prêt, tu me dis. C'est fini? Allô, Richard. Oui. Moi, je vais te laisser beaucoup plus de temps à Jane pour intervenir. Hein? D'accord. Moi, je vais faire une petite introduction et écouter Jane. Peut-être au niveau de l'introduction, venir sur la journée qui a été célébrée, venir sur ce qui a été annoncé un petit peu. Comme ça, on reste dans le sujet de l'actualité. Oui. Et puis avec Jane, on va aller beaucoup plus sur son parcours. OK. Ah ouais, et beaucoup plus sa partie human story. Allez, dessus, je pense que ce serait mieux. En réaction avec... l'Angleterre qui a des facilités pour les personnes là-bas. Ouais. Voilà. On pourra nous parler de toute cette expérience. C'est l'expérience qui est intéressante. Ouais. Dès qu'on est prêt. Jane, je vais t'envoyer un petit message que tu vas voir après, hein, après l'émission. Voilà, ok. Petit message amical, ok. Je vais t'envoyer ça. C'est bon. Keshini. Allô, Keshini, on t'attend? En français, tu es plus à l'aise en français? Tu me dis moi? Oui, est-ce que tu es plus à l'aise en français, en créole? En français, ça va. Allez, on va faire en français. Allez, on va faire en français. Oui, en français, si vous voulez. En anglais, Jane? Oui, en anglais. Maintenant, je te dis, là, je commence à perdre mes mots. Mais, les mots français que tu perds, tu veux maîtriser mon anglais? Oui, mais il faut bien pratiquer le français, là, non? Ouais, tu vas mettre un peu d'anglais dedans, hein, comme tu es en Angleterre. Non, j'essaie de garder les deux. Parce que... Oui, les deux, c'est bon. Ouais. Et en termes de musique, pas d'album que tu nous prépares en anglais, peut-être un album Peut-être, tu sais, avec le Covid, tout a changé. Je comptais préparer un album en 2018, mais 2019, Covid est arrivé et tout a chamboulé. Ok, donc pour l'instant, c'est pas d'actualité. Non, pas vraiment. Peut-être que je ferai les concerts l'année prochaine quand j'ai terminé mes études. Ah, ça, c'est bien ça. Mais c'est pas encore confirmé. Ok. Bah, tu me diras à ce moment quand tu fais ça également. Oui. Attends. Ça va, tu arrives à me voir, Richard?
Oui, c'est bon, c'est parfait. Ouf, tant mieux. Et c'est différent complètement l'Angleterre, Boris? L'adaptation se Oui. passe bien? Non, tu sais, j'ai pas de soucis d'adaptation du tout parce que je suis très sociable. Je parle aux gens. J'ai pas vraiment eu de soucis d'adaptation. Mais j'ai eu un choc par rapport à la protection ici que les handicapés ont. Parce que toutes ces lois qui nous protègent, c'est incroyable. Parce que. Et on pourra évoquer ça Ouais. justement. Ouais. Tu nous expliqueras comment c'est différent de Maurice et comment Maurice peut justement prendre exemple dessus. Parce qu'on avait fait le parallèle avec l'Inde, ce serait intéressant de savoir avec l'Angleterre également. Juste attendre qu'il soit prêt techniquement et on va y aller en live. Une petite attente. Mais là, tu as des cours après ou bien c'est OK? Non, j'avais des cours ce matin. Okay. C'est ça que je te dis à cette heure-ci, c'est mieux pour moi parce que c'est là où il y a Mais les tu as des cours. cours du soir? Parce que moi, je me souviens quand j'étais à la fac, j'avais des cours également, soirée, parfois 20h, Non, 21h. non, Tu fais ça également? non. Non. Non, Tu que en les passes combien? matins de 8 h à 5 h. Ah, ok, c'est mieux, c'est mieux. Parce que moi, je me Ouais. souviens, j'avais ça très très tard, 20h. Donc, c'était très compliqué. Quelquefois, on t'a mis à 22h passées. Donc. Ouh, non. Non, 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 non. Heureusement. Les Français sont plus demanding, finalement. T'as fait des études en France, toi, je suppose. Bon, j'ai fait à La Réunion, en fait. Ah. Ouais. Mais avec le même système, tu vois. Oui. Mais très, très, mais très tardif. Jane, tu te passes bien? Oui, ça va ici, ouais. Super, super. Ça Moi, va. je viens de te voir en avril, alors, hein? Ouais, tiens-moi au courant. Je ne sais pas quand. Peut-être qu'en avril, je serai en examen. Mais Les vacances, tu m'avais dit les vacances, mais je peut-être sais en pas, juin. je sais pas exactement quand je suis en vacances. Tu m'as duré, je vais adapter mon voyage Ouais. par rapport à toi. OK? Comme tu es bienvenue. Parce Je que te moi, pose juste l'idéal, c'est juillet. Juillet-août. Parce que Ben, juillet, c'est possible. Il je peut vais être là. graduer. Pardon? Je vais graduer en juillet. Ah ben super, tu me diras quelle date, on verra. Hein? On va organiser ça ensemble. Ouais. C'est quelle saison, c'est l'été, l'automne? Juillet, c'est L'été, hein? début hiver, L'été. l'été, OK. ouais. Et Là, ici? il fait moins 6, tu sais, en ce moment, il fait Moins froid. 6, hein? T'es bien au chaud, alors, Ouais. hein? En tout cas, ici, il fait 33 degrés à peu près. Moi, j'ai hyper chaud aujourd'hui, fou. Envoie-moi le soleil, si tu peux. Ouais. Alors, prix de vie, Keshini, c'est bon? On me dit qu'il faut encore 5 minutes. On va démarrer vers 20h15. Le temps de régler encore. Allez. Attends un petit C'est pour ça que moment. je t'avais dit, je crois que ça allait être mieux d'enregistrer parce que là, on pouvait juste éditer le passé sur Facebook. Oui, non, Non, on n'a pas encore commencé l'enregistrement. mais. Oui, c'est bon, on peut commencer. Je vais signaler. Je vais OK, tu lancer me... les lives. D'accord. Dès que Je c'est dis OK, bah. tu... Oui. C'est possible pour toi de faire un petit countdown avec nous pour qu'on sache quand ça commence? D'accord, oui. Fais un countdown, là, quand tu nous dis go, là, je vais démarrer directement. C'est plus facile. D'accord, oui. Trois, deux, un, go. Amis internautes, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur le Global Rainbow Foundation Web TV. Alors ce soir, une invitée spéciale, il faut bien le dire, puisque l'émission est décalée complètement en soirée, puisque notre invitée se trouve du côté de l'Angleterre où elle fait ses études habituellement. On évitera de la présentation, on vous laissera entendre sa voix. D'ailleurs, c'est à travers The Voice qu'elle a été connue. Jane Constance, bonsoir. Bonsoir Richard, bonsoir à tous. Également avec nous sur le plateau, Ormugam Porsuramen, qu'on ne présente plus aujourd'hui, tout le combat qui a été mené au travers de ces dernières années, ou son travail qu'il accomplit aujourd'hui à la Global Rainbow Foundation. Ormugam Porsuramen, bonsoir. Bonsoir Richard et bonsoir Jane. Bien. Bonsoir Oui, que Vassou. tu sois avec nous sur le même plateau aujourd'hui.
Heureuse aussi. Alors, oui. Impossible de ne pas parler de cette journée qui a eu lieu le 3 décembre, la journée internationale, qui est revenue mettre en avant aujourd'hui quelle est la situation des personnes aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe. On en a parlé énormément, Mugambo Sowamen, par rapport à cette fameuse loi qu'on attendait depuis pas mal d'années. Malheureusement, les autorités sont venues encore une fois pour nous annoncer que cette loi allait être encore une fois renvoyée. Peut-être déception, peut-être par rapport à cette annonce qui a eu lieu avant qu'on entre justement sur toute cette journée. Merci Richard. Personnellement, oui, je dois dire que c'est une déception. Parce que j'attendais au moins le 3 décembre, lors de la grande célébration de la journée internationale des personnes en situation de handicap. Et cette fois-ci, c'est la première fois, donc, à ma connaissance, que le Premier ministre a parlé du projet de loi Disability Bill. Et ensuite, la ministre de la Sécurité sociale a également fait des commentaires. Mais la déception, c'est que au lieu de venir dire qu'on va présenter le projet de loi telle date, disons à telle période, non, on n'a pas eu cette confirmation. On n'a eu que des conditions pour dire que cette loi, ça prend plus de temps, il faut continuer à consulter, etc., etc. Et on n'a pas une idée très claire et quand ce projet de loi va être présenté. Et on ne nous a pas donné des raisons valables aussi pour ce retard. Et comme vous savez bien, la promesse a été faite dans les manifestes électoraux de 2014, où on avait mis noir sur blanc, et un manifeste électoral, c'est quelque chose de solennel. C'est un engagement solennel qu'on prend avec la population. Alors, la promesse de 2014 dans les manifestes électoraux, qui parlait d'un disability bill pour combattre la discrimination contre les personnes en situation de handicap. Et puis, au Parlement, lors du discours programme, le président de la République en 2015 avait fait une déclaration très solennelle encore pour dire que le gouvernement va introduire un projet de loi Disability Bill et va amender la section 3 et 16 de la Constitution pour éliminer toute discrimination envers les personnes en situation de handicap. Et voilà les promesses 2014-2015 et à ce jour, là, le 3 décembre 2015, 22, on vient nous dire que le projet de loi est compliqué, on doit continuer à travailler, beaucoup de consultations. Pour nous, c'est une grande déception. Parce que je dois rappeler, Richard, en 2016, lors d'une question, un PNQ du leader de l'opposition, à l'époque, Paul Béranger, avait posé la question à Mme Fadila Doriaou, qui était également ministre de la Sécurité sociale. Elle avait répondu, le projet de loi a été visé par les bureaux de l'Attorney General. Le projet de loi a été prêt et on va finaliser pour présenter au Parlement. Et ensuite, plusieurs ministres de la Sécurité sociale ont pris des engagements au Parlement. Je veux dire, la loi va être présentée en 2018, 2019. Et voilà, nous nous retrouvons maintenant en 2022 avec cette incertitude. Alors pour moi, je suis vraiment très déçu et parce que je vais terminer sur ce point-là pour dire, et Jane va sans doute partager avec nous son expérience, et moi, je suis actuellement en Inde, je vois de près, comme je travaille également en Inde, j'ai une fondation Global Rainbow Foundation en Inde, on travaille beaucoup avec les personnes en situation de handicap, je vois comment, avec la loi que l'Inde a pu promulguer en 2016, vous imaginez, depuis 6 ans, l'Inde a eu son Rights of Persons with Disability Act et cette loi donne aux personnes en situation de handicap beaucoup de protection, beaucoup de bénéfices et ils sont reconnus, ils ont la dignité et ils ont beaucoup de facilités. Je ne vais pas décrire tout ça, mais pour dire comment l'Inde a pu le faire et nous, on continue à être dans l'incertitude. Alors voilà, Richard, moi, je crois que ce n'est pas acceptable. Et là, par rapport à ça, on va mener une campagne en 2023. Mais j'en parlerai plus tard. Je préfère peut-être ajouter peut-être une question additionnelle sur le sujet, Mugambo Sowamen. Les explications qui ont été données ont été que c'est un projet qui demande beaucoup de temps, des difficultés à être implémenté. Est-ce que vraiment, on a cité le cas de 2014 à 2022, je sais le nombre d'émissions qu'on a fait sur le sujet, plusieurs intervenants qui ont donné leur avis, est-ce que cette explication peut tenir la route? Difficulté d'implémenter, il faut encore beaucoup de personnellement, temps. Personnellement, non. Comme je dis, et nous, la Global Rainbow Foundation, on a pris l'initiative de préparer un projet de loi.
Et je dois dire, ça a été préparé par des experts à Maurice et des experts internationaux qui connaissent bien la Convention des Nations Unies, UNCRPD, par rapport au handicap. Et ils ont travaillé et ils ont fait des commentaires. Ils ont beaucoup apprécié le projet de loi qu'on a présenté, qu'on a donné au gouvernement pour considérer. Alors pour moi, je crois que là, il faut une volonté politique. Hein, je crois que je ne vois pas des raisons valables pour dire que le projet de loi va prendre encore plus de temps. Et surtout, de ne pas venir dire qu'on va présenter le projet de loi, disons, en 2023, tel mois. Vous comprenez, ça aurait été beaucoup plus acceptable. Mais à ce jour, on n'a pas ça. Et l'autre point, quand on a une relation privilégiée avec l'Inde, et l'Inde a déjà sa loi depuis 2016, on peut demander quand même l'assistance technique qu'est l'Inde, vous comprenez, et qui, pour qu'on puisse finaliser notre projet de loi. C'est pas plus compliqué qu'en Inde, en tout cas. En Inde, c'est beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué, effectivement. Les personnes qu'ils ont en situation de handicap. Alors, donc, pour moi, je suis déçu, comme je dis, et en 2023, la Global Rainbow Foundation, avec tous les autres partenaires, on va continuer à faire les plaidoyers pour que, au plus tard, en 2023, ces projets de loi soient présentés au Parlement. Merci. Merci, Amougam Persoumen. Alors, Jane, forcément, le point a été évoqué, les personnes en situation de handicap aujourd'hui, on ne va pas faire de la politique, Jane Constance, forcément. On va essayer peut-être de comprendre le point. Est-ce que pour toi, c'est choquant quand même, aujourd'hui, on est en 2023, dans quelques jours, pas d'une loi pour encadrer. Comment est-ce que tu perçois aujourd'hui la situation des personnes, justement, en situation de handicap à l'île Maurice? Moi, je pense qu'implémenter une loi, le Disability Bill, c'est pour nous protéger avant tout, parce que nous souffrons tellement de discrimination à Maurice, que ce soit dans le monde du travail, que ce soit dans les études, partout où nous allons, on ne peut pas trouver de travail. Moi, je suis déçue aujourd'hui, j'ai la chance de faire des études en Angleterre. Je me dis que je vais avoir mon diplôme l'année prochaine, et s'il n'y a pas de loi pour nous protéger, je me dis, mais pourquoi pas trouver un boulot en Angleterre? Donc toi, ça te remet en question de revenir à Maurice, finalement? Malheureusement, oui, parce que j'adore mon pays, mais il n'y a pas de loi. Ici, en Angleterre, on parle de Equality Act 2010. Il y a des infrastructures adaptées pour les handicapés. On parle d'accessibilité des sites web. Maurice ne pense, bien sûr, ils ne vont pas penser aux sites web parce qu'on est toujours en la nuit des temps. Mais même dans le monde du travail, ici en Angleterre, nous sommes protégés. Ils peuvent employer, les employeurs peuvent employer les personnes en situation de handicap. J'ai fait un placement en août, pendant l'été, avec une engineering company qui s'appelle Arup. Ils m'ont soutenu, ils m'ont encadré, ils m'ont demandé quelles sont les infrastructures qui peuvent m'aider. Ils appellent ça un reasonable adjustment ici en Angleterre, qui peut faire pour pouvoir me soutenir. Mais il y a cette loi, c'est grâce à la Equality Act que les handicapés sont protégés ici. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas, Maurice, et je souhaite que bientôt, espérons l'année prochaine, que the law will be enforced, comme on dit. Alors, toi qui as vécu toute ton éducation primaire, secondaire à l'île Maurice. Aujourd'hui, tu te retrouves avec une éducation tertiaire en Angleterre. Si tu veux là expliquer aux gens qui nous regardent à travers cette émission aujourd'hui, quelle est la différence que tu as notée dans tout ton cursus scolaire à Maurice et le cursus scolaire aujourd'hui quand tu te retrouves en Angleterre? Qu'est-ce qui change dans la manière? En quoi c'est différent et sur quoi Maurice pourrait peut-être s'inspirer? La différence, grosse différence, je pense que c'est la WNS. Conscientisation que Maurice n'a pas. Ici en Angleterre, nous sommes protégés, nous sommes encadrés aussi parce que l'université, ils ont des formations adaptées pour les enseignants. Mes lecturers sont conscientisés, ils savent que je ne vois pas et ils savent ce que j'ai besoin. Par exemple, ils connaissent le Braille Note, comment est-ce que je fais pour écrire, comment est-ce que je fais pour faire mes assignments. J'ai 100% d'extra time pour mes examens. Je suis aussi soutenue par, j'ai une Inclusive Support Advisor. Son rôle, c'est de me soutenir, de m'encadrer si j'ai un souci, peu importe quel souci, avec mes études, mes assignments. Mais à Maurice, j'ai fait mes études tertiaires à l'aide
beaucoup plus compliqué, je pense, parce que peut-être que je n'allais pas avoir aussi autant de soutien. Mes études secondaires à Maurice a été compliquée. Bon, je pense que pour être positif, partout va être compliqué. Mais compliqué comment? Maurice manque de conscientisation. Les profs ne sont pas trained, ne sont pas formés. Ils travaillent sur le tas, comme on dit. Le brain load, c'était du chinois pour eux. Ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas c'était quoi. Comment travailler avec moi. En formule, je me souviens, j'avais fait mes examens à l'oral. On me lisait les questions et je devais dire mes réponses à l'oral. Mais franchement, là, on est en 2022. Il faut qu'ils savent que les aveugles peuvent écrire, peuvent lire. Il faut juste leur donner l'opportunité et les infrastructures adaptées, je pense. Mais moi, ça m'attriste. On va peut-être réagir dessus. Jane, Constance qui évoque le mindset, l'awareness. Est-ce que c'est le problème de Maurice aujourd'hui? Finalement, on a toujours ce problème de mindset vis-à-vis des personnes en situation de handicap. Le micro, il faudra peut-être mettre le micro. François a disparu. Voilà, non, avec le micro. Ouais. C'est peut-être, c'est en partie peut-être mindset, mais je crois que c'est une, comment dirais-je, c'est une ouverture d'esprit. C'est comme Jane parle de equality opportunities. Tu vois, il faut comprendre chaque élève, chaque étudiant dans nos institutions doit être accompagné convenablement d'après ses besoins. Tu vois, l'handicap, ça arrive. Alors, ce n'est pas que la personne qui a les contraintes, là, il faut qu'on les facilite, qu'on les donne l'encadrement approprié, comme Jane parle de reasonable adjustment ou c'est reasonable accommodation. Tu vois, il y a tout ça à faire. Alors, donc, moi, je crois que c'est l'obligation de l'État. Comme on parle de l'éducation pour tous, comment on offre aux autres enfants qui n'ont pas d'handicap, hein, si vous voyez un peu, comparer les écoles, par exemple, primaires, comme ils ont toutes les infrastructures, comparer les collèges secondaires, mais comparer avec les écoles saines, les écoles spécialisées pour les enfants. Vous allez voir la différence. Vous voyez, ça, c'est les ONG qui s'occupent de ces enfants-là. Et ils ont des limitations en termes de ressources. Par contre, au niveau du gouvernement, les facilités là, sont là. Hein, ils ont des différents services. Par exemple, ils ont des facilités de sport, etc. Mais aller dans les écoles spécialisées, vous allez voir les limitations. Voilà, parce que là, on parle des études. Études, bien sûr, il faut être encadré. Mais parlons des activités extrascolaires. À Maurice, je me souviens, j'étais en fond 3, fond 4. Tous mes amis allaient nager, mais je ne pouvais pas aller nager. On me dit, ah, mais mes parents ont signé, malheureusement, on ne peut pas t'emmener parce que tu ne vois pas. Ici, je vais à la gym, je vais à la natation. Bientôt, je commencerai l'équitation. Voilà. Il y a une association ici qui va me faire l'équitation. Donc, il y a tellement d'opportunités ici. On est protégés, encadrés. Mais moi, je suis très heureuse dans ce monde, en Angleterre, et je vois... J'avais aussi joué le goalball récemment aussi avec des amis. C'était intéressant, mais je découvre aussi ce nouveau monde où tous les aveugles, tous les handicapés sont contents. Ils ont la joie de vivre. Mais moi, je trouve ça étonnant parce qu'à Maurice, je vois mes amis qui sont attristés, ils sont tristes, ils sont, j'utilise un grand mot, mais dépressifs parce qu'ils ne peuvent pas faire des activités extrascolaires, mais ils ne sont pas heureux. Absolument. Et je dois ajouter peut-être, Jane, que nous, on a relancé les Cécifoot à Maurice. Tu te souviens? On avait organisé les Cécifoot. Et là, on a relancé cette année-ci. Hein? Et alors, tout ça, ce sont des initiatives qui se font, qu'on prend au niveau du privé, au niveau des ONG. On aurait pu offrir ça. Ce n'est pas difficile. Mais, j'approuve parce que imagine s'il y avait une fédération, la Fédération des aveugles de Maurice, au lieu d'avoir des institutions qui s'occupent de nous, mais s'il y avait une fédération, je pense qu'on allait avancer beaucoup plus vite. Absolument, absolument. Il y a beaucoup de choses à faire, mais il n'y a pas la volonté, il n'y a pas l'intérêt, il n'y a pas peut-être l'ouverture d'esprit pour comprendre tout ça. Par rapport aux études, je dois dire qu'il y a beaucoup de facilités qui existent ailleurs. On aurait pu même emprunter, en faire venir à Maurice. Moi, je connais bien maintenant le système en aide. Il y a tellement de facilités pour les enfants, personnes non-voyantes.
hein, tellement de technologies, etc., qu'ils ont développées, et ça facilite énormément. Vous voyez, il suffit d'aller voir, de voir un peu ailleurs, partout, comme en Angleterre, il y en a plein également. La technologie est incroyable, ce que la technologie peut faire. Richard, je te donne un exemple. Comment est-ce que moi, je paye, je fais mes achats? Je vais au supermarché, j'utilise Apple Pay. Mais il y a un débat, on va me dire, ah, mais à Maurice, on a Mighty Money, et Juice, et etc. Mais ce n'est pas international. Si je veux aller dans un autre pays, par exemple, payer ailleurs, je n'ai pas de souci. Parce que même les achats en ligne sont très accessibles, donc je peux facilement faire mes achats sans souci. Mais à Maurice, malheureusement, je ne peux pas. Je n'ai pas d'autonomie comme ici en Angleterre. Voilà. Et puis je profite peut-être de rebondir dessus. Elle parle d'autonomie. Vous avez été vous-même ministre, donc vous avez été au sein d'un gouvernement, donc vous savez comment ça fonctionne, comment le Conseil des ministres fonctionne, comment est-ce qu'on prend des décisions, comment est-ce qu'on peut avancer. Ce manque d'autonomie, à la faute à qui, au fait? Est-ce que c'est le politicien qui ne veut pas? Est-ce que c'est la bureaucratie administrative de la fonction publique qui retarde tout ça? C'est quoi, au fait, aujourd'hui, le problème? Ou est-ce que c'est un mindset simplement du politicien qui estime que ce n'est pas un créneau de vote, ce n'est pas un créneau qui l'intéresse? Peut-être, je ne vais pas trop, comme je dirais, décrypter un peu tout ça. Hein? Mais oui. Je vois, moi, pour moi, je peux, en tant qu'ancien ministre, je dois dire, pour moi, c'est un manque de volonté politique de le faire. Manque d'ouverture d'esprit. Il faut aller apprendre ailleurs ce qui s'est fait. Moi, quand j'étais ministre, j'apprenais toujours ce qui se passe à l'extérieur. J'ai profité de cette expérience internationale pour venir à Maurice et pour l'appliquer à Maurice dans les conditions mauriciennes, sans doute. Alors voilà, comme je vous dis, je prends l'exemple Bookshare. James connaît bien Bookshare. Comment cette bibliothèque virtuelle est un outil extraordinaire pour les élèves, surtout au niveau secondaire et tertiaire. Mais je fais venir Bookshare à Maurice. Je les ai emmenés aux autorités, à voir avec les autorités. On a eu des rencontres pour qu'ils puissent adopter, prendre des services de Bookshare. Mais à ce jour, on n'a rien fait. Mais nous, au niveau Global Rainbow Foundation, on utilise Bookshare, on achète des licences. On donne aux personnes non-voyantes pour les faciliter dans les études. Vous voyez là, hein? Alors, c'est une question pour moi, peut-être de mindset, mais manque d'ouverture. Et il faut être disposé à apprendre, à voir les expériences qui existent. Vous voyez, et à partir de là, l'appliquer et les mettre au profit de nos étudiants. Alors, les problèmes, on a parlé des non-voyants, mais aussi les personnes malentendantes. Quand ils vont au secondaire, ils ne sont pas encadrés du tout, tout comme les personnes non-voyantes. Vous voyez? Alors, il faut quand même qu'on réalise que ces enfants-là ont les mêmes droits que les autres. Tu vois, Richard, hein? Si on prend ça comme principe, on va les offrir des facilités. Regarde, Jane, moi, j'étais à son collège à UCLan par rapport à son admission. Et dès que je parlais de cas de Jane, ils ont ouvert toutes les portes. Ils m'ont demandé. Juste pour clarifier, j'ai fait mon application, moi, UCLan. J'avais envoyé mon CV. Ils avaient avisé vu ma personnalité. Ils m'ont donné une bourse. Ils étaient ravis de m'avoir. Après, je suis allée les rendre visite pour voir un peu ce qu'ils font par rapport au Open Day. Mais je trouve ça sympa que UCLan m'ait aidé comme ils ont pu, parce que c'est une super université qui offre aux international students surtout beaucoup de facilités. Absolument, ils donnent toutes les facilités. Non, ils te demandent même, Jane, qu'est-ce que tu as besoin en plus pour faciliter tes études. Voilà pourquoi est-ce qu'ils me demandent, parce que c'est pas une faveur de UCLan, c'est par rapport à la loi. Equality Act. C'est ça que je dis. C'est parce que la loi nous protège, nous encadre. Par exemple, j'ai fait un interview pour mon placement la dernière fois. Ils m'ont demandé, avant de faire l'interview, ce que j'avais besoin. Si j'avais besoin de... Ils demandent aux sourds, s'ils ont besoin d'interprètes. Ils demandent aux aveugles, s'ils ont besoin du braille. Donc, je crois que c'est implémenté dans la loi aussi. Ce qui est intéressant, mais je crois qu'ils ont l'habitude aussi. Depuis 2010 que la loi a été implémentée. Et nous sommes en 2022 ici à Maurice. On est toujours en train
C'est toujours un projet de loi, nous. On est même passionnés, on est toujours sur l'ébauche d'un projet de loi. Ouais. Mais toi, oui, oui. Non, vas-y. Tu connais bien les cas de cette étudiante dans le Nord, Jane. Je ne vais pas mentionner son nom. Mais quand elle a commencé sa première année de secondaire, elle n'a pas eu de facilité. Elle n'a pas eu tout ce qu'il faut pour l'accompagner. Il n'y a aucun prof qui était qualifié pour l'accompagner, etc. Elle a eu beaucoup de difficultés, surtout en mathématiques. En mathématiques, jusqu'à Form 3, elle n'a pas eu... Mais je n'ai pas pu faire les mathématiques, moi. Elle, quand même... On avait commencé la même histoire, parce que nous sommes en 2022. Moi aussi, je n'ai pas pu faire les mathématiques et le souci est pas. Et comme c'était. Comme moi, j'étais à l'école en 2012-2013. Mais maintenant, en mathématiques, il y a des outils, la technologie. Pour les aveugles, il y a le NEMEF Code, que les aveugles utilisent pour faire les mathématiques. Bon, moi, je n'ai jamais essayé parce que je ne fais plus de mathématiques. Maintenant, je fais des études de law. Mais. Dans le futur, j'aurais aimé que d'autres aveugles ont plus de facilité, qu'ils puissent faire les mathématiques, qu'ils ont des infrastructures, que les profs sont trained pour qu'ils connaissent le braille. Que je pense que ça va être... le monde va changer si les profs connaissent le braille à l'école. Mais tout cet aspect d'infrastructure qu'évoque justement Jane Constance, Morgan Passerman, est-ce que ça, c'est le politicien qui décide? Est-ce que c'est l'État qui décide, le gouvernement qui peut apporter ça à travers? On en a compris, le projet de loi, ce ne sera pas l'actualité. Oui. Le gouvernement, c'est le gouvernement qui définit la politique de l'éducation. Vous comprenez? L'autorité, c'est le gouvernement. Et à partir de là, dans la politique par rapport à l'éducation pour tous, offrir les mêmes facilités, c'est le gouvernement de déterminer tout ça. Tu vois, en Inde, par exemple, dans la loi, c'est prescrit. Si tu es un étudiant non-voyant, voilà ce que tu as droit. Tout est défini. Hein? Tu as toutes les informations dans les documents officiels. Jane Constance, est-ce que tu partages l'avis de Morgan Passerman quand un projet de loi va aider justement à améliorer la situation des personnes en situation de handicap? Ah, définitivement. Que ce soit dans les études, que ce soit dans le monde du travail, que ce soit dans la vie en général. Mais bien sûr, ça va améliorer la vie. Mais moi, j'aurais hâte de revenir à Maurice et passer les vacances. Vraiment, on en profite que tu sois là. Si tu avais justement, mais on voit ce manque de volonté politique qui a été décrié par Morgan Passerman. Est-ce que pour toi, il y a également ce manque de. Est-ce que tu vois en tant que jeune aujourd'hui qu'il y a un manque de volonté politique par rapport à améliorer la situation des personnes en situation de handicap? Oui. Oui, parce qu'on parle de cette loi depuis la nuit des temps. Depuis que j'étais à Maurice, avant que je commence mes études, depuis 2018, on parle de se battre pour le Disability Bill. Mais non, mais il n'y a rien n'est fait. Mais comment est-ce que je vais me battre? Je vais continuer à me battre, je vais avoir 25 ans, 26 ans, je vais avoir 22 ans. Mais est-ce que les choses vont être faites? Bon, histoire à suivre. Aujourd'hui, tu fais des études en droit, donc peut-être les internautes ne le savent pas. On connaît Jane Constance comme la voix, the voice, qui chante, l'artiste et tout, mais aujourd'hui, tu as pris une carrière totalement opposée, une carrière très sérieuse, celui d'avocat peut-être dans quelques années. Alors, tu me disais que la difficulté qu'on a, Maurice, tu te fais devenir réfractaire à vouloir retourner au pays. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ces études que tu es en train de mener en droit vont peut-être aider à améliorer tous ceux qui se retrouvent en situation de handicap, peut-être à l'île Maurice? Si je vais faire un parallèle, est-ce que tes études vont aller dans ce sens? Oui, moi, mon but, c'est de me battre contre la discrimination envers les personnes sous son handicap. Que ce soit être avocate ou pas. Mais moi, mon but, c'est analyser la société aussi, parce que je compte faire un master l'année prochaine en Human Resource Management. j'ai déjà pensé. Parce que le droit va m'aider avec mes skills, mais je compte aussi faire autre chose pour avoir d'autres skills aussi, pour être plus employable. Trouver un boulot, c'est ce qui m'intéresse, bien sûr, en fait, comme tous les jeunes. Voilà, c'est moi, mon but, c'est d'analyser comment la société réagit aussi envers les personnes sur son handicap. Parce qu'à Maurice, on me dit, ah, mais c'est triste, tu es aveugle. En Angleterre, on me dit, mais you're a child of God. On me dit que j'ai beaucoup de abilities de faire les choses.
Mais le mindset est différent à Maurice et en Angleterre. Et voilà pourquoi je veux me diriger vers Human Resources dans le futur. Mais pourquoi le droit, c'est justement pour me battre contre la discrimination, parce que je bosse sur le Human Rights Act qui m'intéresse aussi. Et Disability Law est aussi fait partie de ce qui m'intéresse. Voilà. Beaucoup de ce mindset. J'ai fait plusieurs émissions également depuis pas mal de semaines maintenant. Plusieurs invités qui reviennent également sur cet aspect, le mindset. Le mindset. Comment est-ce qu'on change ce mindset aujourd'hui? Tu fais la référence mauricienne, comment on décrit quelqu'un qui est en situation de handicap? Tu fais la référence Child of God quand tu es en Angleterre. Comment est-ce qu'on change ce mindset dans l'île Maurice en 2023 pour les personnes en situation de handicap? À changer le regard de la société. Il faut que, par exemple, à la télé, on prend les handicapés pour acte, pour les acteurs qui sont handicapés. J'ai des amis qui ont fait des études de musique, qui ont fait des études de music theater, qui sont acteurs aujourd'hui, qui sont en fauteuil roulant. À Maurice, je pense pas qu'on voit les gens à la télé qui sont acteurs. Je pense pas. Mais je pense qu'il faut voir les gens à l'écran. Il faut, voir les gens à la plage, les handicapés en fauteuil roulant, par exemple. Il faut que ce soit quelque chose de normal. Avoir un aveugle avec un chien guide ici en Angleterre, c'est rien du tout, c'est normal. Prendre un bus, prendre le métro, le train en France, il y a l'assistance, c'est incroyable ce qu'ils font et je pense que c'est quelque chose de normal ici en Angleterre parce qu'ils ont l'habitude. Mais ici, à Maurice, je dis que je fais de la natation, je fais du tandem, du roller skate. On me dit, waouh, t'as de la chance. Mais ici, quand je dis que je fais du tandem et du ice skating, on me dit, ah, oh, mais c'est génial. Ça, c'est normal. Donc, je Et pense tu penses que comment, c'est une opportunité qu'il faut et comment donner. selon toi on peut atteindre cette normalité qui est en Angleterre, ici à Maurice? Comment est-ce qu'on peut atteindre ça? Je pense qu'il faut donner plus d'opportunités. Donner plus d'opportunités aux handicapés de faire les choses à l'école. Tout commence à l'école. Il faut pas refuser à un aveugle d'aller nager, par exemple. Je pense que je ne vais jamais oublier. Il y a quelque chose en Angleterre qui s'appelle le risk assessment. Si c'est trop risqué, ils vont mettre des encadrements nécessaires pour m'aider. Par exemple, si ici, je suis aidée par Inclusive Support. Ce sont les ambassadeurs, les well-being ambassadeurs. Ce sont les étudiants payés par l'université pour aider les élèves en situation de handicap. Donc, si à Maurice, ils employaient les étudiants, pareil, hein, comme en Angleterre, pour nous aider, je pense que ça allait être plus facile. Il faut mettre des dispositions. Tu nous parles de cette expérience personnelle qui t'a marqué, ce refus de te permettre d'aller nager à un jeune âge. Est-ce que tu en veux à cette personne, ce prof ou ce préposé qui a pris cette décision? Est-ce que tu en veux au système aujourd'hui J'en veux par pas aux rapport autres. à... Ce sont pas leurs fautes. Ils travaillent pour l'école. J'en veux au gouvernement. J'en veux à la politique. J'en veux à parce qu'ils ne font ils font rien pour nous. Aller à la gym, impossible à l'école à Maurice. Mais ici tous les vendredis, j'ai un personal trainer. Je reviens de la gym en plus, hein. Un peu fatiguée. Mais moi, je vais à la gym les vendredis et je fais j'ai un programme pour moi. J'ai un personal trainer qui m'aide. J'améliore. Je suis encadrée, mais c'est génial. Alors, Ouais, comme mais je personne, sais peut-être. pas quoi dire. Je n'ai pas de conclusion. Les conclusions, c'est de garder espoir, je pense. Oui, Richard. Oui, comme personne, peut-être une dernière question dessus. Elle a évoqué cette expérience personnelle de ne pas pouvoir justement faire de la natation. On lui a refusé. On a estimé que c'était trop risqué. Elle a fait le parallèle avec ce qui se passe en Angleterre. Est-ce qu'au niveau de la Global Rainbow Foundation, peut-être est-ce qu'il y a une lutte à faire aujourd'hui, conscientiser? Est-ce que les ONG peuvent aider dans ce sens-là? Pour changer justement cet aspect des choses. Ah ben, on le fait dans la mesure du possible, hein? On le fait dans la mesure du possible, mais il faut que les autorités donnent l'encadrement qu'il faut. Tu vois, tu ne peux pas. Il faut qu'il y ait les facilités pour quand les personnes non-voyantes vont à la plage, même les personnes en situation de handicap, que ce soit handicap physique ou autre. Il y a beaucoup de personnes qui veulent aller faire la natation. Tu vois, ils le font d'ailleurs. Il y a des compétitions aussi, comme on sait, hein? Mais
il faut quand même les encadrer, les donner les facilités nécessaires pour qu'ils puissent les faire. Alors, on les fait, mais pas suffisamment, et pas pour offrir la même opportunité à tout le monde. Hein? Il y a beaucoup d'handicaps, beaucoup de contraintes avant de pouvoir les faire. Moi, je connais beaucoup de cas de personnes qui veulent profiter de la natation, mais qui n'arrivent pas à le faire pour ces contraintes. Tu vois, il faut quand même qu'on ait cette volonté pour les accompagner. Alors, Richard, je dois partir maintenant dans quelques minutes. Et Jane, sans doute, tu vas aborder avec Jane d'autres aspects. Et oui. Je crois que c'est très intéressant, les modèles anglais, hein, les systèmes qu'ils ont avec la loi. On a une expérience là, concrète, hein, d'un pays où il y a la loi qui donne les opportunités à toutes les personnes, hein, au niveau des études. Alors, moi, je suis en Inde où je vois un peu toutes les facilités qu'ils ont. C'est un grand pays complexe avec des millions de personnes en situation de handicap, mais quand même, ils le font. Il y a la volonté pour le faire. Alors, donc, je crois qu'avec Jane, sans doute, elle va apporter d'autres éléments intéressants pour la population dans le cadre de cette sensibilisation qu'on fait et aussi les plaidoyers pour qu'on ait la loi le plus vite possible. Mais je profite peut-être en disant que la loi, s'il y a la volonté politique, on peut faire la loi rapidement. Hein? Il y a d'autres lois qu'on a fait dans une vitesse extraordinaire, mais ça, c'est une loi que d'autres pays ont fait et c'est pas difficile de le faire. Et il suffit de consulter tout le monde, faire participer toutes les parties concernées dans la préparation de ces projets de loi, avec des expertises internationales, avec des expertises des pays et l'ont fait déjà, et aussi les Nations Unies. L'Union européenne, par exemple, est très disposée à nous accompagner. Et je dois dire que l'Union européenne a financé une mission pour aider le gouvernement mauricien, cette année-ci, pour travailler sur les projets de loi. Tout ça a été fait, mais pourquoi ce projet de loi ne sort pas? Ça, c'est la grande question qu'on pose. Et pour moi, c'est une déception. Et 2023, on va sans doute accentuer davantage notre campagne de plaidoyer pour qu'en 2023, au plus tard, on a ces projets de loi au Parlement. Justement, je profite de poser cette dernière question. On arrive en 2023, dans quelques semaines. Quels sont le cheval de bataille de la Global Rainbow Foundation cette année 2023? Bien, comme vous savez, Richard, on a déjà lancé cette émission, hein, que vous animez vous-même. Parce que toutes les semaines maintenant, par rapport au Disability Bill, ben on va continuer, on va l'accentuer et on va apporter de nouveaux éléments. Hein, cette campagne, à travers notre DRF Web TV, va continuer, va être soutenue et il y aura d'autres personnes qu'on va faire intervenir également. Alors, on va continuer ça tout en travaillant sur les terrains aussi. Hein, sensibiliser les différents partenaires, sensibiliser les personnes en situation de handicap pour qu'ils réalisent qu'ils doivent et aussi participer activement dans cette campagne de plaidoyer. Et on va travailler avec d'autres partenaires au niveau du pays, right, pour faire comprendre au gouvernement qu'ils doivent au plus vite possible introduire la loi. Et aussi travailler avec les parlementaires. Vous voyez, là, il y a les parlementaires qui vont donner un petit coup de main au niveau du Parlement. Et voilà, on va mettre la pression. Et aussi les autres organisations internationales. Je dois dire que l'Union européenne, dans son message le 3 décembre, a bien insisté sur la nécessité d'avoir ces projets de loi. Vous voyez là, et ça, le gouvernement mauricien est rappelé souvent par rapport à ses obligations. Et les Nations Unies, comme on a signé la convention, les Nations Unies, chaque 2 ans, ils ont un rapport sur comment Maurice est en train d'implémenter la loi, la convention qu'on a signée. Alors là, tous les 2 ans, ce comité-là fait un rapport et nous rappelle, encore une fois, l'urgence de présenter ce projet de loi. Alors, vous voyez là, il y a d'autres instances qu'on va sans doute sensibiliser, mais la pression va être plus forte en 2023. Je ne vais pas donner tous les détails, mais on a en tête pas mal des activités qu'on compte lancer jusqu'au moment où on aura cette loi au Parlement. En tout cas, Mougam Passoir, je profite de vous souhaiter un joyeux Noël un peu en avance et une très bonne année 2023. Merci bien, Richard.
Et Jane, je te laisse continuer avec Richard, hein, qui merci. Anime. Merci pour ce joyeux Noël. Il nous aide beaucoup et Richard anime une session, une émission spéciale une fois par semaine par rapport au Disability Bill. Alors, super. Richard, ça va dépendre de toi aussi, combien tu peux tenir. Hein? Oui. Mais, je vais te laisser toi, avec toutes tes initiatives que tu prends là, comme trouver Jane pour être dans l'émission avec nous, trouver d'autres personnalités. Ah ben, on va travailler l'année prochaine. Je vais te donner un coup de main, moi aussi, avec d'autres bien personnes. Sûr. Alors, on va consolider cette... J'espère qu'on a les projets de loi. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, le combat continue. On a les projets de loi aussi, on va les discuter. Tu vois, parce que il suffit pas qu'on vienne avec un projet de loi au Parlement sans avoir consulté toutes les parties concernées. C'est vrai. Okay. En tout cas, Armugam Persoan, merci beaucoup. Merci bien, Richard et Jane. Merci, bonne pour continuation avec Richard. Merci. Et nous restons en contact. Hein? Oui, bien sûr. Allez, au revoir. Merci. Oui. Alors, Jane Constance, justement, Armugam Persoan a évoqué tout ça. Le combat que mènent aujourd'hui les ONG par rapport aux personnes en situation d'handicap, comment est-ce que tu perçois ce combat qui est mené aujourd'hui? Je trouve qu'ils font un bon boulot. L'AGR fait un bon boulot. Malheureusement, ils sont limités aussi parce qu'on se bat, mais on se bat pourquoi? Parce que les décideurs, ce sont les décideurs politiques. On va se battre, mais espérons que quelqu'un nous entende parce que moi, je me dis que ça, c'est chouette de faire une émission, mais peut-être faire un face-à-face avec des décideurs politiques, mais aucune idée. Mais en tout cas, c'est génial ce que les institutions font. Mais je me dis qu'on se bat, mais où allons-nous? Parce que moi, j'aurai 22, 23, 24 ans. Rien ne va se faire. Et moi, je suis très positive comme personne. Je pense que tu me connais, tu m'as connue petite. C'est vrai. Je garde cette positivité, mais malheureusement, le temps passe et le temps presse. Je profite que j'ai justement Jane Constance aujourd'hui, étudiante en droit en Angleterre. J'ai connu Jane Constance il y a quelques années quand j'étais dans une autre radio qui se lançait dans le monde de la musique, qui a participé à The Voice, qui a gagné à The Voice. Comment s'est passée l'évolution justement de Jane Constance entre cette période et cette période, et quels souvenirs tu gardes justement de quand t'es mis sous les feux des projecteurs? M'avoir mis sous les feux des projecteurs, c'est once in a lifetime, comme on dit. J'étais ravie de le vivre, avoir remporté The Voice. J'ai beaucoup appris. Mais de The Voice jusqu'ici, j'ai beaucoup mûri. J'ai beaucoup appris du monde de la musique. Et je me dis que mes études prennent une priorité aussi dans ma vie. Parce que c'est très important. Chanter reste une passion. Je compte reprendre le chant l'année prochaine après mes études aussi. Donc, c'est pour ça que je suis assez silencieuse en ce moment sur les réseaux sociaux. Mais je compte reprendre mes concerts, le chant comme il se doit l'année prochaine. Donc, j'attends avec impatience de terminer mes études. Là, pour, donc, les fans de Jane Constance peuvent se rassurer, tu n'abandonnes pas la musique pour le barreau, finalement. Pas du tout. pas du tout. On verra bien si je deviendrai avocate ou pas. Le destin le dira, comme on dit. Parce que c'est un monde très compétitif, le monde de l'or. Dans ma classe, il y a 200 étudiants qui sont avec moi en ce moment. Et on se dit que, est-ce qu'on aura vraiment une place dans le monde de la loi? Parce que, voilà quoi, c'est assez compliqué maintenant. Parce qu'il faut passer le pupillage, faire le LPC, tellement beaucoup de degrés après mes études, après mon undergraduate degree. Mais histoire à suivre. Comme on dit, comme je te disais, je souhaite faire Human Resources l'année prochaine pour avoir d'autres facultés. Mais oui, comme je dis, moi, je compte trouver un placement ici en Angleterre, trouver peut-être comme, pourquoi pas, un travail. Et je ne lâcherai pas Maurice, je me battrai toujours pour le disability law. Et oui, on verra bien comment ça se passe ici, pour moi. Est-ce que tes études de droit ont changé ta perception sur la manière que tu voyais le monde? Est-ce que ça a changé complètement aujourd'hui?
Oui. Faire mes études en Angleterre m'a aidé à être plus autonome, surtout. Parce que à Maurice, mes parents me soutenaient. J'étais dans mon environnement naturel, mais à Maurice, en Angleterre, il y a eu les hauts et les bas. J'ai dû me battre pour me faire entendre, comme on dit. Ici aussi, il y a des petits soucis d'inclusion, mais parce que je suis Inclusion. la seule international blind student OK. ici en Angleterre, parce qu'à UCLan, ils n'avaient jamais eu des étudiants international students qui étaient aveugles avant moi. Donc, c'était une grande première parce que je n'ai pas de bénéfices comme les Anglais, les pensions comme les Anglais ici. Donc, je dois tout payer moi-même, comme tous les international students d'ailleurs. Donc, moi, je leur ai dit, vous voyez, il faut faire les choses bien. Je me suis battue pour pouvoir faire les choses ici. J'ai dû créer un society. Il y avait un disabled society, mais ils n'étaient pas vraiment actifs. Donc, je me suis battue pour qu'ils puissent être actifs, pour qu'ils puissent faire les choses. Récemment, on a créé un goal ball society, le football for the blind. Mais c'est génial maintenant ce qu'ils font. Ils font beaucoup d'activités. Récemment, on a fait un dinner in the dark, justement pour raise awareness, parce que certaines personnes ici ne savent pas comment parler avec les aveugles, parce qu'ils ont peur. Je pense qu'ils ont peur de l'inconnu surtout. Parce que tout se fait avec le regard en général. Si quelqu'un s'approche de moi et que je ne souris pas, we think the person is rude. Mais la personne n'est pas vulgaire. C'est juste que je ne vois pas, mais je ne peux pas voir la personne. Donc, mais des fois, les gens ont peur de s'approcher de moi parce que je ne vois pas, comme si je suis une extraterrestre. Mais pas vraiment. Moi, j'aide à raise l'awareness un peu partout où je vais, que ce soit en Angleterre, que ce soit à Maurice. Et voilà quoi. Moi, je suis fière d'être en Angleterre. Mais j'aiderai Maurice aussi, bien sûr. Mais le fait d'être l'unique étudiante qui souffre d'un pardon, qui l'unique étudiante qui ne peut pas Aveugle. voir et qui est en train d'étudier la loi, est-ce que ça t'a posé un problème d'adaptation vis-à-vis de tes collègues étudiants? Juste pour clarifier, il y avait les étudiants aveugles qui étudiaient Non, les il y a. droits, mais je suis seule international student, donc ils viennent de l'étranger. D'accord. Bon, comme on dit, hein, il y a des soucis partout. Mais par rapport au Disability Law, Equality Act, mais on m'a soutenue, on m'a donné toutes les facilités, on m'a aidée, donc j'ai pas j'ai rien à me plaindre vraiment. J'ai rien à dire par rapport à ça, parce que l'Angleterre, UCLan, m'a aidée, m'a soutenue comme j'ai voulu moi, parce que c'est pour ça aussi que je souhaitais étudier en Angleterre, parce que je savais que j'allais être soutenue. Il faut le dire, les choses. Il faut dire qu'un chat est un chat. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es une personnalité publique. Aujourd'hui, on sait que la société évolue. Aujourd'hui, on va vers les influenceurs. On va vers des personnes qui influencent d'autres personnes et qui font changer les mentalités. Est-ce que dans ton rôle d'influenceur, entre guillemets, Jane Constance, est-ce que tu comptes l'utiliser demain pour influencer justement les Mauriciens, pour faire Ah entendre oui. les voix de ceux qui te disent, ben, Jane a de la chance en Angleterre, elle bénéficie de ceci et nous, on ne peut même pas faire de la natation à Maurice? Ah oui, bien sûr, mon rôle d'influenceuse, je suis toujours artiste de l'UNESCO pour la paix. D'ailleurs, mon mandat a été renouvelé il y a quelques mois. Donc, j'utilise tous ces réseaux, tous ces networks pour raise Explique-nous, l'awareness un c'est peu quoi ce partout. rôle justement? Peut-être expliquer pour ceux qui nous regardent, c'est quoi ce rôle au sein de l'UNESCO? Oui, le rôle, c'est beaucoup de gens, beaucoup d'influenceurs ont la chance d'être artistes pour la paix de l'UNESCO. Notre rôle, c'est de promouvoir les valeurs de l'UNESCO, de prôner ces valeurs. Par exemple, tout ce qui est la paix, l'unité, le vivre ensemble. Pour moi, j'accorde une attention spéciale à l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Donc, make sure everything is right, comme on dit. Et à travers les discours, à travers mes chansons, je veux me faire entendre. C'est pour ça aussi qu'en 2018, j'ai sorti un peace album pour faire entendre ma voix, ma chanson Un jour j'ai rêvé, par d'un monde meilleur, d'un monde en paix, d'un monde sans préjugés. Donc, moi, c'est ce que je veux aussi par-dessus tout.
Et que peux-tu souhaiter pour nous cette année 2023 pour les personnes qui se retrouvent en situation de handicap? Je pense qu'il faut rester positif, il faut garder espoir. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver demain. Pour un tour de magie, baguette magique, le gouvernement peut changer, faire les choses pour nous. Donc, il faut rester positif et attendre de voir ce que le gouvernement peut faire pour nous. Donc, moi, je dis aux personnes en situation de handicap qu'on ne peut pas compter sur le gouvernement, mais compter sur vos parents. Parce que les parents seront toujours là pour vous soutenir, parce que mes parents étaient là pour moi. Mes parents ont été géniaux, extraordinaires, qui étaient là pour me soutenir, ont tout fait pour moi. C'est grâce à eux aujourd'hui qu'ils ont fait de moi ce que je suis. Voilà, et il faut toujours compter sur la famille avant tout, comme on dit. La famille, c'est tout, en fait, il faut bien le dire. Ouais. Jane, je t'ai demandé qu'est-ce qu'on pouvait souhaiter pour l'année 2023 pour les personnes en situation de handicap. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour Jane Constance pour cette année 2023? Quels sont tes objectifs de cette année 2023? J'ai compris, il y a un album peut-être ongoing, j'espère avoir l'exclusivité en tout cas à diffuser ça, mais quels sont les projets que tu as pour cette année 2023? En 2023, en juillet, j'aurai mon diplôme, undergraduate law. Puis après, je pense faire un master's. Puis faire mon application pour mon graduate visa, qui va me permettre de rester en Angleterre pendant 2 années. Pourquoi pas trouver un boulot ici et faire de mon futur une force pour les autres qui veulent suivre le même parcours. Pourquoi pas? Un message, c'est tout. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Jane Constance, je te remercie de m'avoir accordé cette heure d'entretien presque en face-à-face, on va dire, qu'on n'avait pas eu depuis pas mal d'années. Je rappelle, donc, si tu veux faire un face-à-face, tu viens me voir ici en Angleterre. Je... Voilà. Fait dans moins 6 degrés, il fait froid ici. Tu fais une interview avec moi en exclusivité. Hein. Je te fais visiter l'université, je te montre comment les facilités sont ici. Je pense que tu vas aimer, puis c'est une histoire à suivre. Ce sera certainement avec grand plaisir. En tout cas, je te souhaite une excellente soirée. Je te un peu en avance, un joyeux Noël et une très bonne année 2023. Merci à toi aussi, à toute l'équipe et à tous les internautes aussi. Bonne année. Merci beaucoup. Très bien. Mais en tout cas, au plaisir de se revoir très vite. Et c'est ici donc que se termine notre émission. Je donne rendez-vous aux fidèles de cette émission dès la semaine prochaine pour une autre édition sur la Global Rainbow Foundation Web TV. Bonsoir.